You have bees flying around your rectum. You need a bad operation. Come on. You need a bad operation. On sait qu'il y a à peu près 400 000 vols de vélos par an en France, ce qui correspond à peu près à un sixième des ventes, donc ce qui est énorme. Et à peu près 25% des personnes qui se sont fait voler un vélo renoncent à en racheter un par la suite. Donc en gros, on estime, enfin, selon des sources fiables, qu'on perd à peu près 80 000 cyclistes par an à cause justement du vol de vélo. Donc c'est à partir de ce constat qu'on a mis en place le marquage Bicycode. Donc on a pris l'exemple sur nos pays voisins, donc principalement le Danemark et l'Allemagne. On a constaté que le Danemark, après avoir mis en place un dispositif de marquage de vélos, 40% des vélos retrouvés ont pu être restitués à leurs propriétaires. Or en France, donc je disais, sur 400 000 vols, on en retrouve à peu près 100 000, et seulement 3% peuvent être restitués à leurs propriétaires, faute de pouvoir les identifier tout simplement. Pour faire marquer votre vélo contre le vol, adressez-vous à un opérateur Bicycode. Rendez-vous sur le site Bicycode de la FUBICI, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette, afin de trouver l'opérateur le plus proche de chez vous. Chez cet opérateur, munissez-vous d'une pièce d'identité et, si possible, d'un justificatif de propriété du vélo. Le numéro Bicycode est gravé sur le cadre du vélo, sans altérer la qualité de celui-ci. Avec une craie grasse, on recouvre le numéro pour empêcher la corrosion. Placé sous le tube de selle, le Bicycode est visible et facilement identifiable par l'utilisateur et par la police, et bien sûr, cela dissuade le voleur. Votre numéro Bicycode est unique, ainsi que le mot de passe qui lui est associé. Ces informations sont indiquées sur le passeport qui vous sera remis suite au marquage. Le problème qui se pose pour nous, c'est la restitution du vélo, parce qu'il faut que la personne puisse justifier que le vélo lui appartient. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de chiffres comme des plaques d'immatriculation sur les véhicules qui permettent d'identifier. Pourquoi est-il important d'avoir un numéro Bicycode en plus du numéro de série? La plupart du temps, les fabricants gravent avec le même numéro de série tout un lot de production. Des centaines de vélos identiques peuvent donc porter le même numéro de cadre. Le marquage permet aussi de lutter contre le recel de vélos. En effet, si vous achetez un vélo d'occasion, si celui-ci est marqué, vous allez alors pouvoir tout de suite vérifier s'il est en règle ou si c'est un vélo volé. De même, si sous le tube de selle, une partie de la peinture est limée, on peut penser qu'il était initialement marqué. Chez tout opérateur, vous pourrez également souscrire un contrat d'assurance Cyrano. Cette assurance reconnaît le marquage Bicycode et propose une action vélo volé, vélo remplacé, à la condition que celui-ci soit marqué et qu'il soit sécurisé avec un antivol en U, qui sont les antivols les plus fiables du marché d'après les tests réalisés par la FUBICI.